bonjour. Aujourd'hui, à Si une autre vie m'était contée, j'ai le grand bonheur de recevoir Annick Lafratte encore une fois. Bonjour, Annick. Bonjour. Annick, avec Sylvie Ouellet, je dis souvent que vous êtes mes porte-bonheur toutes les deux. C'est gentil. Ça fait toujours plaisir de te recevoir. La dernière fois que tu es venue à l'émission, c'était pour parler du livre. Oui, mon dernier livre. Avec, écrit avec Catherine Poirier. Oui. Mais on n'a pas eu le temps de parler de toi et de ce que tu faisais. Et j'avais envie de revenir là-dessus un petit peu. Tu es intervenante énergétique. Oui. En quoi ça concerne? Bien, pour moi, le terme intervenante énergétique, j'aime beaucoup ce terme-là parce que, tu sais, si on dit médium, souvent les gens ont une idée préconçue de la médiumnité. Et pour moi, je travaille beaucoup plus avec l'énergie. Donc, l'énergie des gens, l'énergie des âmes, l'énergie des lieux, je trouve que c'est beaucoup plus global. Donc, pour moi, c'est important d'utiliser le terme intervenante énergétique pour amener les gens à prendre conscience de leur énergie, de l'impact de cette énergie-là et de l'énergie qui habite les lieux aussi et de l'impact aussi d'énergie qu'il y a dans leur maison. Mais qu'est-ce que tu fais en tant qu'intervenante énergétique chez les gens, par exemple? Est-ce que tu traites des gens, j'allais dire soigner, mais on sait que ce n'est pas le terme. Est-ce que tu traites des gens? Oui, bien, en fait, il y a deux fonctions. Au niveau de l'intervenante énergétique, là, dans mon métier, ce que je fais, il y a deux possibilités. Donc, je peux recevoir les gens à mon bureau, qui est situé à Gatineau. Et là, quand je reçois les gens dans mon bureau, je vais faire ce qu'on appelle une lecture énergétique. Donc, ça veut dire que les gens vont arriver devant moi, je vais lire un peu ce qui se passe dans le corps physique et lire ce qui se passe dans les corps d'énergie, parce qu'on a un corps physique oui. et des corps d'énergie, les corps émotionnels, mentaux. Donc, toutes les pensées, les croyances qui sont installées dans les corps d'énergie, les émotions qui sont installées dans les corps d'énergie aussi. Donc, pour avoir un portrait un petit peu de l'ensemble de la personne, parce que ce qu'on porte dans nos énergies va irradier, hein, dans l'univers et va influencer aussi les événements, les gens qui sont autour de nous. Donc, c'est important de prendre conscience de ce que l'on porte et de ce que l'on émet pour pouvoir le changer si on veut ou tout simplement continuer à l'alimenter si ça nous satisfait. Donc, souvent, je vais aller lire ce qu'il y a là. Et quand c'est quelque chose qui est un peu plus lourd, donc quand dans les corps d'énergie, il y a une lourdeur, il y a une fuite ou il y a ou des fois des amérantes qui peuvent s'installer dans ces énergies-là, bien, c'est important d'aller réparer ça. Donc, en énergie aussi, on va pouvoir aller colmater les brèches, réparer les petits trous, puis en discutant avec les gens aussi, les aider à prendre conscience de leurs pensées, de leurs émotions pour pouvoir aller restructurer les énergies pour qu'elles soient plus vibrantes. En fait, tu fais, j'allais dire, tu fais pratiquement, peut-être que je me trompe, pratiquement le même travail que quelqu'un a fait sur ta fille. Ah oui, longtemps, ah oui, c'est ça, le même type de travail. Oui, hein, il y a plusieurs années, plus d'une décennie maintenant. Oui, définitivement. Aujourd'hui, je pense que cette expérience-là qu'on a vécue avec Marie-Claude au niveau de l'emprise oui. a été vraiment un tournant dans ma vie. Ce n'est pas arrivé sans hasard. C'était vraiment là pour remettre justement toutes mes capacités médiumniques à la surface, raviver mon intérêt aussi pour ce sujet-là, cette ouverture-là, et pour pouvoir ensuite aider les gens qui sont aux prises. Avec des phénomènes énergétiques, oui. Mais tu te promènes beaucoup en région. Oui. Hein? Je suis un petit peu sur Facebook et je vois que tu sillonnes la province. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu donnes des ateliers? Bien, en fait, je vais donner des conférences et des ateliers. Donc, okay. je vais donner des conférences sur la vie après la mort, le cheminement de l'âme aussi. Oui. Pourquoi? Parce que souvent, les gens m'ont demandé, bien, pourquoi il y en a qui sont bien? Il y a des êtres chers décédés qui sont bien, sont dans la lumière. Puis, pourquoi il y en a d'autres qui sont pris au plan terrestre? Donc, je vais donner une conférence sur la vie après la mort pour aller justement distinguer c'est quoi la différence entre les deux. Et je donne aussi une conférence qui est sur la guidance spirituelle, donc parce que on est tous guidés aussi, hein? On a tous un guide qui est là près de nous, puis qui est là pour nous soutenir, nous accompagner, nous aider et fêter nos joies aussi, hein? Il est là pour célébrer nos joies, nos victoires, nous encourager, puis il est là pour nous assister aussi quand ça va un peu moins bien, parce que souvent parce que je fais de la purification aussi oui, dans les maisons. Oui, on va en parler, oui, tout et à l'heure. Souvent, quand j'arrive dans les maisons, souvent les gens vont me dire « Oh, Annick, moi, bon Dieu m'a abandonné, je ne suis plus guidée, ça n'a pas de bon sens, on vit tellement des choses difficiles. » Puis je vais dire « Oui, vous vivez des choses difficiles, c'est certain, parce que l'emprise, c'est difficile, il ne faut pas se le cacher. » Mais en même temps, je leur dis tout le temps « Si je suis là, c'est parce que vous êtes guidée. » Ah, parce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui vous a apporté mon livre ou vous avez eu un peu ça en regardant une émission où j'étais présente et que je parlais de l'emprise et de la purification. Donc, même dans les grandes difficultés ou dans l'emprise, nos guides sont là pour nous dire « lâche pas, il y a une solution, il y a une possibilité ». Puis, il y a souvent des petits miracles qui sont là au quotidien pour nous aider dans tout ça. Fait que non, on est toujours guidés malgré les difficultés. Et je donne une deuxième conférence justement sur la guidance. Comment travailler avec nos guides? Mais est-ce que quand tu fais cet atelier ou cette conférence, travailler avec les guides, est-ce que les gens repartent et qu'ils ont trouvé leur guide?
Dans la conférence, non. Je leur explique un petit peu c'est quoi un guide, qu'est-ce qu'il fait pour nous, comment leur parler, comment reconnaître les signes aussi, parce que souvent, il faut tout simplement savoir changer notre regard. Parce que quand on est dans la matière, on est dans notre incarnation, on avance au quotidien, souvent des gens vont s'attendre à des signes comme ça. Oui. Mais en fait, je vais souvent dire, les êtres chers décédés ou les guides sont énergie. Ils ne sont plus matière. Donc, il faut savoir porter notre regard sur l'énergie environnante, l'énergie qu'il y a autour de nous, pour pouvoir remarquer leur présence. Et quand on ouvre sur ça, c'est là qu'on se rend compte, « Wow, j'ai fait une demande, je suis répondue, il y a telle personne qui s'en vient vers moi avec la réponse, c'est absolument extraordinaire. » Et là, on voit qu'on est vraiment guidé. Puis moi, je dis tout le temps, quand on apprend à porter notre regard sur l'énergie qu'on porte et qui est alentour de nous, les miracles se multiplient, là, c'est incroyable, c'est merveilleux. Est-ce que ces guides-là ont des noms? Est-ce que ça, habituellement, sont des gens qu'on a déjà connus ou ça, c'est, sont simplement dans l'énergie, sont descendus, puis on ne sait pas d'où ils viennent? En fait, nos guides spirituels, on les a souvent côtoyés dans une vie antérieure. Donc, ils nous connaissent très bien, ils connaissent le cheminement de notre âme, ils connaissent ce qu'on a fait dans des vies passées, ce qu'on s'en vient réaliser dans cette vie-ci et ce qu'on veut réaliser dans d'autres vies aussi. Donc, ils nous connaissent par cœur, ils nous aiment énormément, mais ils ont choisi pour cette vie-ci de ne pas s'incarner avec nous et de nous guider. Donc, c'est ce qu'on va appeler un guide spirituel. Oui, ils vont avoir des noms. Donc, des noms, des fois, c'est leur nom original. Des fois, ils vont nous donner le nom qu'il y avait dans une autre vie. Donc, ça peut être... Ça résonne, j'imagine, à ce moment-là? Oui. Souvent, les gens font « Ah oui, OK, ça me parle, ça m'interpelle et tout ça. » Donc, souvent, il y a un lien. Justement, j'ai fait une canalisation pour quelqu'un dernièrement. Elle m'a demandé le nom de son guide. Et quand je lui ai donné son nom et ce qu'il avait été pour elle dans une vie antérieure, elle dit « Annick, c'est incroyable, elle dit, ce nom-là résonne tellement en moi. » Puis elle dit « Je comprends pourquoi j'ai cette vie-ci. » Donc, en fait, bon, si les gens veulent comprendre un petit peu, ce guide-là s'appelait Edward et il travaillait dans l'armée dans une autre vie. Puis elle m'a dit « Ben Annick, j'ai un père militaire. » Donc, elle dit « J'ai encore des choses. » Puis il m'a expliqué ce qu'il avait fait pour elle dans d'autres vies. Puis elle dit « Je travaille encore là-dessus dans cette vie-ci. » Donc, pour elle, ça lui parlait énormément. Elle était contente. Donc, chaque personne a quelque chose qui lui appartient propre. Là. Oui, définitivement. Okay. Donc, ça, c'est souvent un guide. Donc, il est là pour nous aider avant de nous incarner. Il est là pour nous aider tout au long de l'incarnation. Il peut y avoir des changements de guide aussi. Des fois, ça arrive à un moment donné qu'on est rendu au bout, on a atteint quelque chose. Puis là, oups, on a besoin d'une autre énergie pour nous aider à poursuivre. Mais généralement, ils vont être là jusqu'à la toute fin. Ils sont là pour nous accueillir au moment du décès et nous aider à cheminer aussi de l'autre côté. Et après ça, pour la prochaine incarnation, bien, on peut poursuivre avec le même guide ou une autre, parce que des fois, ou un autre guide. OK, mais il peut être là d'incarnation en incarnation. Là. Oui. Ah, d'accord. Oui, ça dépend vraiment de ce qu'on est venu travailler, de ce qu'on est venu faire, de ce qu'on est venu accomplir. Mais à ça va s'ajouter aussi les êtres chers décédés. Donc, il y en a qui vont dire, tu as trois guides, tu sais, tu as trois personnes. Moi, les êtres chers décédés, je vais plutôt les appeler des anges gardiens. Donc, moi, dans mon vocabulaire à moi, pour moi, c'est comme des anges gardiens parce que les êtres chers décédés, ils peuvent venir nous donner un coup de main. S'ils sont bien, s'ils sont heureux, s'ils sont dans la lumière, on peut leur demander de l'aide. Donc, ça va leur faire plaisir. Si ça leur faisait plaisir de leur vivant de nous aider, ça leur fait encore plaisir de l'autre côté. Donc, ils vont nous aider, mais en même temps, ils vont cheminer de l'autre côté. Donc, des fois, il y a des êtres chers décédés qui vont être avec nous pendant un mois, deux mois, deux ans. 3 ans, 4 ans. Donc, c'est aléatoire, mais après ça, ils vont continuer leur cheminement. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Allez, qu'on exactement. Va faire une pause, on va revenir après. Parfait. Alors, Annick, tout à l'heure, on a parlé des conférences et, bon, j'ai posé une question par rapport au nom des guides, mais tu disais qu'il y avait une différence entre la conférence et l'atelier. Oui. À l'atelier, les gens peuvent repartir en ayant eu un nom de leur guide? Oui. En fait, quand on fait un atelier, c'est qu'on passe vraiment une journée ensemble. Donc là, de 9h le matin à 5h, on passe la journée ensemble dans l'énergie. Où est-ce que je vais montrer aux gens... je vais leur apprendre à bien s'enraciner parce que c'est important quand on veut des communications avec des êtres chers décédés ou il y en a qui ont des communications avec des âmes errantes. C'est important d'être bien enraciné. Je montre des techniques aussi pour augmenter leur taux vibratoire. Ça veut dire s'assurer d'avoir des belles énergies dans le corps physique et dans les corps d'énergie aussi. Donc, il y a des exercices qui sont là pour nous aider, nous protéger, pour avoir des belles énergies, pour faire des communications. Et oui, on apprend dans l'après-midi les bases de la médiumnité, qui est la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience. Donc, comment être à l'écoute, à l'affût de notre propre médiumnité? On fait des exercices aussi pour aller voir quel est notre centre énergétique prédominant. Donc, ah oui? Il y en a qui, c'est la clairsentience. Il y en a d'autres, c'est la clairvoyance.
Donc, chez les personnes, ça va varier aussi. Et chez les défunts aussi, les défunts, il y en a qui sont plus faciles, qui ont plus de capacité à se faire voir, d'autres à se faire entendre et d'autres à faire ressentir leur présence. Oui. Donc, c'est important de savoir comment nos mécanismes médiumniques à nous fonctionnent parce qu'on est tous médiums. Hein? On a tous la capacité de le développer. Donc, parce que la médiumnité, c'est quoi? C'est tout simplement capter un message. Donc, il y en a qui vont capter des pensées, des autres qui sont télépathes, il y en a que c'est des défunts, il y en a que c'est des guides, des anges. Donc, on a tous la capacité de le développer. Mais il y en a qui bloquent aussi, parce que, soit parce qu'ils ont peur. Oui, puis il y en a que ça ne fait pas partie de leur cheminement. Hein. Moi, je me dis, la vie est tellement bien faite, ça prend de tout pour faire un monde. Puis, il y a des scientifiques qui sont là qui ne croient pas du tout à la vie après la mort, mais en même temps, ils font un boulot absolument extraordinaire pour découvrir des médicaments ou d'autres choses. Et c'est leur cheminement à eux. Donc, par contre, il y en a d'autres aussi, des médecins qui s'impliquent très bien. On a le docteur Chabonnier qu'on connaît, nous autres, ici, oui, au Québec, depuis quelques années. C'est tellement extraordinaire. Dernièrement, j'étais tellement contente parce que, justement, mon dernier livre qui est sorti sur l'accompagnement en fin de vie et dans l'après-vie, il y a un médecin qui l'a acheté et qui m'a dit « Annick, merci pour ton livre. » Et elle en parle ouvertement aussi de ce livre-là parce qu'elle dit « Je suis médecin. » Puis elle dit « Quand je suis des gens, quand j'ai des patients, qui ont une croyance sur la vie après la mort, elle dit « Je suis mieux outillée pour les accompagner. Hey, » Donc, elle dit que ça faisait une différence. Puis elle m'a dit, j'étais tellement émue. C'est Dr Galland, d'ailleurs, qui m'a fait ce beau cadeau-là. Puis qui m'a dit, il y a beaucoup de choses à découvrir dans l'énergie. Puis elle dit, nous, les médecins, on aurait avantage à s'ouvrir à cette dimension-là aussi pour un partenariat intéressant. Puis ça, c'est, ça, je trouve ça vraiment On voit qu'elle est ouverte, de toute façon, parce qu'elle va mieux accompagner les gens en fin de vie aussi. Ah, c'est assez extraordinaire, ça. Ah oui, puis il y a beaucoup plus d'ouverture qu'on pense, hein, parce que j'ai déjà reçu des médecins aussi à mon bureau, puis il y a souvent des médecins, des psychologues, des intervenants qui viennent dans les conférences. Donc, il y a une ouverture quand même de ce côté-là. Je dirais, là où ça bloque un peu, c'est plus à l'ordre, donc les instituts gouvernementaux. Mais quand on parle à la personne individuelle, souvent, il y a un peu plus d'ouverture. Je ne dis pas que tout le monde est ouvert, mais il y en a plus qu'on pense. Mais de toute manière, ils sont en contact avec les gens qui sont en fin de vie. Oui. Ils sont au courant de ce qui se passe à la fraction de seconde avant la mort ou après la mort. Exactement. C'est ça, hein? C'est fascinant. Annick, on va aller dans un autre côté, parce que là, j'ai l'impression que tu viens nous parler de la lumière. Mmh. Et là, on va aller dans un côté peut-être plus sombre ou un côté qui a plus besoin de lumière. Oui. Les maisons hantées. Oui. J'aimerais ça que tu nous expliques la différence. Comment on fait pour savoir si une maison est réellement hantée ou si ce sont des résidus qui sont là ou des égrégores? C'est quoi la différence entre tout ça? Oui, c'est ça. Bien, en fait, quand je vais purifier une maison, quand j'arrive, je vais premièrement faire une lecture énergétique de chacune des pièces. C'est important parce que chaque pièce a son propre taux vibratoire. Donc, dans la cuisine, si une maman est là puis elle fait à manger très, très, très rapidement, bon, elle est préoccupée, elle est au téléphone, elle n'est pas présente, bon, on peut avoir son énergie à elle qui va être dans la pièce. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas la présence d'un esprit, c'est l'énergie résiduelle des propriétaires actuels. Donc, on va pouvoir voir cette énergie-là, la ressentir, tout ça. Donc, et ça, ça peut avoir une influence parce que tout ce qui est énergie va nous influencer. Fait qu'autrement dit, si elle fait ça très, très, très rapidement, très peu concentrée, tout le temps au téléphone, 3-4 tâches en même temps, et s'il y a des enfants dans la maison, puis oups, il pose des questions, on devient impatiente, cette énergie-là, elle est là. Et ce qui arrive, c'est qu'elle reste dans la cuisine. Et si le moindrement, on est fatigué, puis oups, on arrive dans la cuisine, on peut se rendre compte que, oups, au bout de 3-4 minutes, on devient impatient. Ah, oh, d'accord. Puis, on se dit, bien voyons comment ça se fait. Bien, c'est parce qu'il y a un résiduel énergétique qui est là. Fait que c'est important de voir l'énergie de chacune des pièces. Donc, et là, je dis quelque chose de négatif, mais dans la cuisine, ça peut être quelqu'un qui adore ça, qui se détend, qui ça va peut créer, être le contraire, on qui parle, fait à manger avec amour. On va avoir un résiduel énergétique qui est très fort, qui est très positif. Donc, on va parler d'un taux vibratoire qui est à la hausse, tandis que si on est dans l'impatience, on parle d'un taux vibratoire à la baisse. D'accord. Mais dans un cas comme ça, c'est un résiduel énergétique des propriétaires actuels. Ensuite, quand on fait une lecture de chacune des pièces aussi, on peut découvrir un résiduel énergétique des anciens propriétaires ou des anciens locataires. Okay. Donc, il faut aller déterminer qui appartient à quoi. Et ensuite, on peut voir aussi dans les maisons la présence d'une énergie que je vais appeler vivante, qui est d'une âme. Donc, qui est un défunt
qui est dans une énergie de basse vibration, qui est présent puis qui a besoin d'aide. Donc, souvent, pour faire... Est-ce qu'il demande l'aide à ce moment-là? Je dirais que généralement parlant, au début, sont hésitants, sont un peu craintifs. Donc, ils ne veulent pas nécessairement de l'aide au départ parce qu'ils sont confortables dans ce qui est là. Et en fait, c'est qu'ils sont au plan terrestre. Et s'ils sont au plan terrestre, parce qu'ils ont refusé d'aller dans les plans subtils, ils ont refusé d'aller dans cette lumière-là, ce bien-être-là. S'ils l'ont refusé, c'est parce qu'il y avait des peurs, des blessures, des regrets, bon, des craintes. Donc, bon, dernièrement, j'ai fait un cas où un monsieur était errant. Il était dans cette maison-là parce qu'il refusait d'aller de l'autre côté parce que plus jeune, il était battu par son père. Et son père était décédé. Donc, moi, je ne veux pas aller de l'autre bord retrouver mon père. Je ne suis pas prêt à cette rencontre-là. Donc, il y avait cette peur-là. Donc, c'est sûr que quand on arrive... Ils sont comme, je ne veux pas aller de l'autre côté. Donc, souvent, il y a une résistance au départ. Donc, mais quand on est à l'écoute de leurs blessures, de leurs craintes, de leurs peurs, puis qu'on accueille ça, souvent juste de pouvoir être écouté, entendu, de pouvoir se confier, souvent le défunt va s'apaiser. Puis quand on le rassure sur comment ça se passe de l'autre côté aussi, puis que s'il ne veut pas le voir, il ne le verra pas tout de suite, qu'il va être guidé, il va être accueilli, puis bon, qu'il y a une évolution, puis on leur dit, bon, va te reposer, va prendre soin de toi. Puis souvent, il y a un défunt qui vient les chercher aussi, puis là, sont contents, sont rassurés, puis ça permet le passage. Fait que mon travail à moi, en fait, c'est tout simplement de les amener à tout simplement ouvrir un peu leur cœur, ouvrir un peu sur les motifs pour pouvoir accepter cette lumière-là qu'ils ont en eux et qui est là aussi tout près. Quand tu fais ce genre de travail, est-ce qu'en général, ils te croient ou s'ils sont sceptiques? Ça dépend. Moi, je dis tout le temps, il y a une échelle de 1 à 10. Hein? Moi, de l'autre côté, c'est exactement comme de ce côté-ci. Fait que je vais rencontrer des défunts qui sont extraordinaires. Tu sais, je vais rencontrer des grands-papas, des grands-mamans, des mères, des frères, des sœurs qui sont extrêmement gentils, accueillants, puis qui sont contents de jaser, puis que ça va être facile, puis qui, bon, ils vont parler un petit peu de leurs blessures, puis ça leur fait du bien, puis ils vont quitter. Mais je vais en rencontrer aussi des plus têtus, puis non, puis je veux pas, puis... Ils s'acharnent à demeurer. Oui, 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 ils vont s'acharner. Donc là, dans ce temps-là, il faut utiliser d'autres méthodes. D'autres méthodes. Oui. On va faire une pause, puis on va poursuivre après. Déjà? Oui. Que tu nous expliques quelques rituels ou un rituel, quelque chose qu'on peut faire parce que des gens qui ont peut-être une entité à la maison et qui ne savent pas trop quoi faire, ils sont angoissés. On comprend qu'il y a de l'angoisse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça prend de la sauge? Où est-ce qu'on la prend, la sauge? Le sel? Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est ça. Bien, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la peur, je pense que c'est un processus normal. L'invisible fait peur. La plupart des gens qui vont m'appeler et me dire « il y a des entités chez nous, j'ai peur ». Ce qui est important de comprendre, c'est que les esprits qui sont là sont énergie. Ils ne sont pas matière comme nous. Fait que moi, je dis tout le temps, on est un peu plus fort qu'eux, si on veut, parce qu'on a un corps de plus. On a une voix de plus. Fait que c'est important de reprendre le contrôle de sa vie. Je le sais que ce n'est pas facile à faire, mais c'est par là que ça se passe. C'est par là que ça passe, c'est inévitable. Donc, l'emprise, c'est quoi? C'est quand un esprit prend possession de notre maison, ça veut dire que nous, on se retire. L'emprise dans les corps d'énergie, ça veut dire qu'il prend possession de nos énergies et que nous, on se retire. Donc, comment reprendre le pouvoir? C'est reprendre possession de sa maison et reprendre possession de son corps. Fait que souvent, c'est de dire « j'habite mon corps pleinement et totalement. Je suis le capitaine à bord. Je reprends le contrôle dès maintenant. » Donc, c'est d'affronter. La meilleure chose à faire, c'est de parler aux esprits. Parce que la pire chose à faire, c'est de les ignorer. Moi, je dis tout le temps, un esprit, c'est comme un enfant. Il va dire « maman, maman, maman ». Si tu l'ignores, il continue de dire « maman, je suis content qu'on dise à ta minute, tu sais, je suis occupée, je reviens à toi ». Donc, un esprit, c'est la même chose. Il faut être capable de lui dire « ok, je ressens ta présence présentement ». Donc là, tu donnes des coups, tu te manifestes, tu viens me voir en rêve, tu es là, je sais que tu es là. Mais pour l'instant, j'ai peur, recule-toi. Donc, faut prendre conscience aussi que notre champ énergétique va jusqu'à 3 mètres. Donc, un esprit qui rentre à l'intérieur de 3 mètres, on va le ressentir dans notre corps, notre cœur va débattre, puis là, on va sentir un inconfort. Fait que si on lui dit « recule de 3 mètres », on va être juste avec nos énergies. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Faut comprendre aussi. Oui, ils vont le faire. Oui, oui. Surtout quand c'est dit très fort avec fermeté. C'est sûr que si tu fais « recule de 3 mètres », il n'y a pas grand conviction là, ça peut leur donner, notre peur va leur donner du pouvoir aussi, leur donne de l'énergie. Donc, c'est important de dire, je vais t'aider, mais là, pour le moment, j'ai une difficulté. Donc, souvent, si ça arrive la nuit, on peut leur dire aussi, reviens demain matin. Là, je veux dormir tranquille,
OK? Donc, c'est de reprendre le pouvoir. C'est de, aussi de prendre soin de soi, de se reposer, de prendre soin de nos énergies, aller se faire masser, prendre du recul un peu et aller chercher de l'aide. Le plus important de tout, c'est d'être confortable avec le processus. La plupart des gens vont dire que mettre du sel dans la maison, ça va aider. Si tu n'y crois pas et que ça ne génère pas en toi une force, une confiance, un apaisement, ça ne changera rien. Il faut utiliser une technique qui va nous amener dans un état de confiance. La sauge est beaucoup utilisée dans les maisons et moi, je travaille beaucoup avec la sauge. C'est un outil que j'adore. Par contre, je ne vais pas faire la sauge pour faire partir un esprit. Je vais passer la sauge après. Pourquoi? Parce que la sauge a beaucoup d'ions négatifs et a comme propriété d'aller purifier les énergies lourdes qui sont des ions positifs. Donc, dans les maisons, c'est des ions positifs qui circulent, qui sont générés par les appareils électroniques. Oui. Et l'énergie des esprits, l'énergie des présentes aussi des propriétaires va s'accrocher à ces ions-là. Et quand il y a beaucoup de stress ou de chicane ou de maladie, bon, tout ça dans la maison, ça fait des égrégores d'énergie, des empreintes résiduelles très, très lourdes. Et cette lourdeur-là va nous affecter. La sauge, qu'elle fait, c'est qu'elle va purifier, elle va faire éclater cet ion-là et va démanteler l'énergie lourde dans la maison. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un esprit qui erre au plan terrestre, ça veut dire qu'il n'est pas dans la lumière, là, qui a besoin d'aide, il a une énergie lourde. Si tu passes la sauge dans la maison, tu augmentes l'énergie, hein, parce que tu enlèves l'énergie lourde, tu augmentes l'énergie. Un esprit a besoin d'énergie compatible à lui. Donc, en passant la sauge, là, il fait « Ouh, je suis en train de perdre l'énergie que j'ai besoin, moi, pour être confortable. » Donc, il va soit provoquer des choses pour qu'on arrête le rituel ou remettre l'énergie lourde dans la maison. Il y en a qui vont dire « Moi, c'était pire. J'ai essayé de passer la sauge, c'était pire. » Mais des fois, c'est le défunt ici qui fait « non, passe pas la sauge, je veux pas. » Ou bien, le défunt va tout simplement quitter parce qu'il va dire « C'est plus compatible avec moi » puis il va aller chercher une autre énergie lourde. Par contre, il a quitté pour tout simplement aller errer ailleurs, chez quelqu'un d'autre ou dans une autre maison. Okay? Tu n'as pas nécessairement réglé la problématique. Et si l'énergie dans la maison revient basse, au bout d'un mois, souvent le défunt va revenir ou d'autres défunts. On n'a pas réglé la problématique. D'accord. Donc, ce qui est important pour moi, c'est quand j'arrive, c'est de parler au défunt. C'est de dire, je sais que tu es là, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'amener à faire la paix. Comme on fait avec une bonne amie qui vient chez nous, qui a besoin de se confier, qui vit une difficulté, on va l'écouter. On va être dans la compassion, dans l'amour, et elle va se sentir mieux après. Donc, c'est de lui parler directement. Et quand il arrive à cet espace de paix-là, il y en a qui vont dire « Oui, mais je leur parle, puis je ne sais pas s'il m'a compris. » Il y a un exercice que je donne, c'est on peut s'asseoir au salon, allumer une chandelle, allumer un encens, mettre un petit peu de musique et dire « Je sais que tu es là, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu veux, mais ce que je peux faire pour toi, c'est t'envoyer de l'amour. Donc, je ne sais pas ce que tu as vécu. » Mais regarde, je t'aime, je te pardonne, pardonne-toi, va te reposer. Et on peut visualiser de notre cœur comme un arc-en-ciel, une énergie d'amour qui se dirige vers le défunt puis dire, regarde, va te reposer, prends soin de toi, je t'enveloppe d'amour, je t'enveloppe de lumière. Peu importe ce que tu as fait, tu vas être pardonné de l'autre côté, tu vas comprendre, tu vas pouvoir revenir et vivre autre chose et venir réparer ce que tu as réparé ou venir vivre de la joie ou de la santé. Donc, va de l'autre côté, je t'encourage. Et on peut faire ça à tous les jours pendant une semaine et souvent, ça va s'estomper énormément. Alors, une chandelle, un peu d'encens. Oui. Est-ce qu'il faut que ce soit… Tu sais, il y a des bâtonnets de sauge aussi. Est-ce qu'il faut que ce soit de la sauge ou ça peut être un autre type d'encens? Bien, en fait, c'est parce que la sauge, comme je dis, ça va purifier les énergies. Hein? Donc, moi, quand je veux parler au défunt, je n'utilise pas de sauge parce que j'ai trop peur qu'il s'en aille. Okay. Donc, je veux lui parler. Et quand je purifie une maison et que je sais que là, le défunt est vraiment parti, donc il a quitté le plan terrestre pour aller dans des plans beaucoup plus vibrants pour lui, et que là, c'est terminé, là, je passe la sauge après pour pouvoir enlever les résiduels de l'énergie du défunt et l'énergie de la peur aussi qui a été véhiculée dans la maison parce que souvent, les enfants ont eu peur ou les parents, il y a eu des inquiétudes, du stress. Fait qu'il faut enlever ça, cette énergie-là, et la sauge fait un travail absolument extraordinaire là-dessus. Mais avant d'employer la sauge, tu suggères quoi comme encens pour ce petit rituel? Bien, il y a différents bâtons d'encens. Il y en a à thématique. Tu vas sur quelque chose qui te plaît finalement. Exactement. Tu n'as pas besoin d'avoir… Toujours ce qui nous plaît, ce qui nous rend confortable. Parce que si on est inconfortable avec les odeurs, on va être dérangé. Puis, c'est important d'être dans un état de bien-être. Et ce n'est pas obligé non plus d'avoir de l'encens. Moi, ce qui est le plus important, c'est l'intention du cœur et d'être à l'écoute de ces défunts-là qui sont dans nos maisons. Annick, il nous reste très peu de temps. Est-ce que tu vas écrire à nouveau?
Est-ce oui. qu'il y a quelque chose en chantier? Oui. Bien là, j'ai 3 livres en attente, en chantier. Donc oui, je vais revenir avec un livre sur l'énergie dans les maisons, justement. Ah, c'est intéressant. Qui s'en vient. J'en ai un autre sur la guidance, puis un autre projet en cours aussi. Donc, on va te lire avec ce qu'il faut, c'est que je demande à mes guides plus de temps oui. pour pouvoir écrire. 24 heures dans une journée, c'est pas suffisant. Moi, j'ai besoin de plus. J'ai vraiment besoin de plus. En tout cas, tu reviendras nous en parler. Merci beaucoup d'avoir été Merci, Marie-Pierre, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir.